Ce jour-là, j'allais à Paris pour rencontrer Joseph Mordor et pour assister au vernissage d'une exposition de Paul Armand Jette. Comme j'avais du temps, en sortant de la gare Montparnasse, je suis allé filmer la rue Daguerre, que je ne connaissais qu'à travers le film Daguerréotype d'Agnès Varda et par le livre Décor Daguerre d'Anne Savelli. Quand j'ai tourné Daguerréotype, Mathieu Demise est tout petit. Je l'avais un peu tard dans ma vie, j'avais pas bien envie de le quitter. Alors ce film dans le voisinage, ça m'arrangeait bien. J'étais tout le temps à la maison, quoi. Mes voisins, les commerçants, avaient accepté de venir au café pour le spectacle de Mistac. Ils avaient accepté qu'on tourne dans leur boutique. Pour les rassurer, je leur ai dit que le courant viendrait de la maison. J'ai eu l'idée de passer un câble par la boîte aux lettres. Alors, tous les matins, on tirait le câble comme ça, on allait jusqu'au café, la boulangerie, le marchand d'accordéon, le type qui vendait les pendules. Quand on allait de l'autre côté, le tailleur, la quincaillerie qui était là, puis plus loin, la boucherie, l'épicier, et puis ce couple que j'aimais tant, monsieur et madame Chardon Bleu qui étaient là au bout. Et j'avais dit, j'irai pas plus loin que 90 mètres. Voilà, c'était la limite. Et le soir, on rentrait, on tirait le câble, on rentrait les projecteurs, le câble restait coincé dans la boîte aux lettres, et après, moi, je rentrais chez moi. On coupait le courant. Quand j'ai raconté une fois cette histoire du câble électrique, 90 mètres, tout ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu ne voulais pas couper le cordon ombilical. Peut-être, peut-être. Peut-être c'est vrai. Thank you.
Thank you.